À Marseille, ils sont fiers de bouillabaisse, Bordeaux de Saint-Pinard et Rouen de Saint-Canard. À Boulogne, au Meix, c'est de l'poulard d'Evresse. À Lyon, ce saucisson de l'moutarde à Dijon. Vira ses andouillettes et Tours ses rillettes. Périgord, ses foie gras, y'a qu'à Boulogne qu'il y a. Bonjour, alors après avoir ramassé les fameux verres tubes, on va mettre la pêche en pratique. Donc aujourd'hui, nous allons nous retrouver sur la plage des Saumonards. La plage des Saumonards qui se trouve dans l'île d'Oléron à Boyerville. Derrière moi, vous allez apercevoir le fort Boyer. Donc c'est une magnifique plage qui est très réputée pour la pêche de la sole. La sole notamment que nous allons rechercher aujourd'hui. Malheureusement, la mer est un petit peu calme. Donc ce n'est pas les conditions idéales pour la pêcher. Mais le fait que la nuit va tomber, on a toutes nos chances de la prendre. Alors pour ça, on va utiliser un montage à 3 empiles que je vais vous présenter maintenant. Donc le montage est constitué de 3 empiles, donc 3 hameçons, avec des longueurs différentes. En fait, on a une petite longueur en bas, une longueur moyenne juste au-dessus, et une autre un peu plus longue juste après. Tout ceci pour avoir les 3 hameçons à la même hauteur. Quand on va lancer, il va y avoir une inclinaison du fil, et les 3 hameçons vont se retrouver à la même hauteur. On aperçoit sur les montages au niveau des hameçons, des petites perles phosphorescentes. C'est un petit attrait supplémentaire pour pêcher la sole. On peut aussi utiliser du fil rouge, en l'occurrence c'est de l'amnésia rouge. C'est un fil qui a très peu de mémoire, qui a une bonne tenue, et on suppose que le rouge attire la sole. On va aussi utiliser un plomb phosphorescent. Alors on utilise un plomb sans grappin, puisque là, sur cette plage, à la hauteur de marée où nous sommes, donc nous sommes au plein mer, on n'a pas besoin d'utiliser de plomb grappin, il n'y aura pas de courant, donc on va utiliser ce genre de plomb. Pourquoi un plomb phosphorescent ? Tout simplement parce que le phosphorescent, effectivement, il va restituer une certaine quantité de lumière, et cette lumière, on suppose qu'elle va attirer quand même les poissons, et notamment la sole. Juste au-dessus, la petite dérivation, donc on a collé 2 petites perles phosphorescentes et 2 petites perles fluo. Alors ça, effectivement, on y croit, on n'y croit pas, c'est simplement des petits gadgets, des petits accessoires pour maintenir le petit baril entre les deux et pour attirer aussi certains poissons. Au niveau de l'hameçon, on retrouve encore une petite perle phosphorescente, un signal supplémentaire, là aussi encore, pour attirer la sole. L'hameçon sera relativement fin de fer, et ce qui est très important pour pêcher la sole, c'est l'ouverture de l'hameçon. En fait, il faut avoir une ouverture assez faible. On sait que la sole a une toute petite gueule, donc il faut pas prendre une ouverture trop large, sinon on ne les prendrait pas. Juste au-dessus, on retrouve la même chose, à peu près à 50 cm, et encore au-dessus à 80 cm, on retrouve la même dérivation avec le baril, les deux petites perles phospho et fluo. Donc je vais vous présenter maintenant le matériel canne et moulinet que l'on va utiliser. Donc la canne, ce sont des cannes traditionnelles de surf hein, en 100-200 grammes, équipées d'un moulinet d'une capacité de 200 à 300 mètres de 30 centièmes. Ici, on n'aura pas besoin d'utiliser un gros diamètre de fil, puisque comme on le voit, la mer est très calme. On n'a pas besoin d'utiliser un gros fil, la mer n'est pas chargée. De plus, on va pêcher au bord puisqu'on sait que la sole se rapproche très près du bord la nuit. Donc on va pêcher à 10, 20, 30 mètres maximum. Donc on peut utiliser du matériel plus léger. Mais là, en l'occurrence, j'utilise du matériel un peu plus fort parce que si la sole se trouve plus loin, effectivement, je pourrais quand même aller plus loin avec ce genre de canne et mettre des plombs beaucoup plus lourds. Alors maintenant, nous allons écher les verres tubes. On va prendre la fameuse aiguille qui n'a, comme je le rappelle, un seul trou. Et le verre tube. Le verre tube, on va le sortir tout de suite du tube. Voilà. On l'enfile côté tête. Donc côté tête, ici, de façon à ce que la tête se retrouve en bas de la pointe de l'hameçon. Donc là, il n'y a qu'un côté à enfiler. On prend l'hameçon. Voilà, tout simplement. Et là, la tête va bien se retrouver en bas de l'hameçon. On laisse dépasser légèrement la pointe de l'hameçon, comme ceci, voilà. Là, c'est parfait. Un petit morceau comme ça suffit pour la sole. Alors effectivement, quand on pêche le bar, on peut mettre des longueurs plus importantes, mais pour la sole, un petit morceau de quelques centimètres suffit. Le dernier empile. Dernier hameçon. Hop. Voilà. On va pouvoir caler les cannes. Donc on ne va pas lancer très loin, la nuit va pas tarder à tomber.
Donc c'est pas la peine de lancer très loin, les sols vont se rapprocher du bord. Voilà, là on est à une vingtaine, 20-30 mètres à peu près. Donc c'est là qu'on va pêcher les sols ce soir, puisque la nuit, les sols se rapprochent du bord. Donc c'est pas la peine de lancer très loin. On va caler la canne. Alors le fait que les cannes sont... Enfin, qu'on n'ait pas lancé loin, on va mettre les cannes avec une certaine inclinaison. On va pas les mettre trop droite pour que les appâts soient bien sur le fond. Au niveau des touches de la sole, c'est pas un poisson qui fait des grosses touches. Il faut bien avoir l'œil sur les cannes. Souvent, la touche de la sole, c'est une petite traction comme celle-ci, et hop, un petit détendu. Et là, en général, la sole est au bout. C'est rare de louper une sole. En général, la sole, elle engame, et une fois qu'elle engame, elle bouge, elle vous fait décoller le plomb. Donc, c'est pas la peine de ferrer, la sole, elle est prise. Donc, il faut bien surveiller les cannes. On va mettre d'ailleurs des petits starlight pour la nuit, et on verra que les touches sont pas très franches. Donc là, je vais caler les cannes, et je vais rejoindre mon ami Daniel qui nous a accompagnés pour cette petite partie de pêche. Daniel, c'est un spécialiste du surf casting, une figure locale, hein, il habite pas loin d'ici d'ailleurs. Oh, Daniel, ça va bien? Ça va. Belle soirée? Bah oui, c'est beau. La mer est belle? Ouais. Je pense qu'on va en prendre là ce soir? Bah bien sûr. Hein, les conditions sont pas trop mal. Non, mais c'est bien. Hein, la mer est assez calme. Bon, là, je la trouve un petit peu claire, mais bon. Un petit peu. Mais bon, le fait qu'on va pêcher en nuit, ça va peut-être nous aider quand même. Les heures correspondent bien. Donc, voilà. Parce que là, en fait, on va arriver au plein mer. Ouais. Et donc on va les pêcher plutôt début descendant. Hein, en général, ça va commencer début descendant. Voilà, donc avec la nuit qui va tomber. Ouais. Donc ça pourra aller. D'ici une petite heure. Hein. Voilà, c'est ça. Et comme montage, toi tu utilises quoi? Alors moi j'ai un montage un petit peu différent du tien. J'ai un montage avec un clipo en bas de mon plomb, avec un plomb portugais. Ah, la particularité du plomb portugais. Voilà. Donc le plomb portugais, ce qu'il a, c'est qu'il est vachement... Il tient beaucoup sur le sable, il tient bien sur le sable. Ouais, en fait, il se plaque bien sur le sable, il roule pas trop. Et l'avantage, c'est qu'on peut le faire glisser, on peut faire un peu de la tirette, si tu veux. On peut gratter le fond comme ça et chercher des secteurs différents. C'est ça. Hein, pour pêcher notamment la sole, hein, on peut faire ça. Sûr. Et puis, ça permet d'éviter d'avoir un grappin qui s'accroche tout le temps et qu'il faut tirer dessus pour le graffer. Et ça tient bien le courant en plus. Bien sûr, c'est pour ça il est bien stable dans le sable. C'est un pont de combien, ça? C'est 155 grammes, d'accord. Donc voilà. Donc là, t'as mis un petit clipo. Un petit clipo. Les anciens clipos, mais qui sont toujours d'actualité. Bien sûr, hein, les fameux clipos japonais. Parce que ça va très bien. Ben ça, c'est terrible. Parce qu'il y a des tout petits clipos qui existent, mais bon, c'est normalement un petit peu. Alors, pas d'a priori, hein, les gens qui utilisent leur clipo, vous pouvez y aller. Hein, le métal n'empêche pas de pêcher du poisson. Hein. Et donc, ça, c'est un clipo traditionnel, mais qui est encore très efficace. Moi, j'aime bien ce montage. Et ça va te permettre d'éviter d'emmêler, en fait, le clipo. Voilà, exactement. Bah, ça, le filtre. Sinon, c'est complètement l'emmêlement. Juste après le clipo, là, tu utilises du fil rouge. Du fil rouge, de l'amnésia en 14 kg. 14 kg, ça représente quoi comme diamètre à peu près? 60 centièmes. 60 centièmes. Donc un fil très gros pour ne pas emmêler, hein, directement. Pour ne pas emmêler. Voilà, tout de suite, un fil très gros pour ne pas emmêler. C'est là-bas, c'est pour ne pas emmêler. Voilà. Qui prolonge le clipo. Et puis ensuite, t'as même mis un petit morceau de gaine là. Je mets un petit bout de gaine rouge parce que ça se voit encore plus. Et puis pour être dans le prolongement aussi. Ouais. Et pour bien être dans le prolongement du clipo. Une fois que ton fil tombe comme ça, exactement. D'équerre. Et pour pas que ça revienne sur le clipo. Ouais, super. Ensuite, t'as à peu près combien? Un mètre? Un mètre ou environ. Il y a une première en pile haute avec. Là, j'ai du 4 kg. Ouais. Donc, j'ai des petites perles rouges. Avec des sequins rouges, bien sûr. C'est une pile de pratiquement un mètre. Hein. Ah, ça fait environ un mètre, Ouais, un petit mètre. Voilà, avec un hameçon de numéro 6. Ça va? Un hameçon numéro 6. Ouais. Avec lequel tu as mis les petites perles. Voilà. Phospho toujours. Bien sûr, phospho qui va réfléchir sur le rouge. Voilà, oui. Voilà. Donc, suite. Toujours en 14 kg. Toujours en 14 kg. On a prolongé encore un mètre. Ouais. On va mettre une chevrotine. Une chevrotine assez, assez lourde, hein, d'une dizaine de... Voilà, 7 plus grammes. Hein. Oui, voilà. Ensuite, on va mettre des petits bouts de gaine supplémentaires pour amortir. Toujours pour cacher le petit rolling, parce que là, j'ai un petit rolling pour accorder une nouvelle fois un fil plus fin. Qui fait, je crois que c'est du 4 kg aussi. Voilà, c'est exactement le même que là-bas d'ailleurs. Donc 4 kg. Donc c'est le même diamètre que l'empile précédente. Que l'empile du haut. D'accord. Et là, donc, on arrive à peu près derrière à... Oh, un bon 1m50, 1m50, 1m60. 1m50, 1m60. Et là, on retrouve encore le même système, donc l'hameçon avec l'ouverture.
des pistequins qui vont réfléchir avec les pertes de son. Exactement. Donc le même montage. Voilà. Ouais, ça te fait un traîneur au total qui est quand même assez long. Hein. Ça te fait un traîneur de. Bah, ça fait 2 mètres. Pas loin de 2 mètres 50. 2 mètres 50, ouais, environ. Voire 3 mètres même. Hein. Voilà. Alors, on arrive ici. Hein. C'est très efficace. Très efficace, oui, certainement. Hein. Ça fait un long traîneur. Un long traîneur. Ouais. Et le fait d'avoir la petite chevrotine, ça n'emmêle pas. Voilà. Ça, bah, c'est l'astuce. C'est l'astuce très importante. Parce que si je ne mets pas la chevrotine, oui. Là, c'est l'emmêlement direct. Et respecter les diamètres de fil, à savoir voilà, un fil fin sur la fin. Voilà. Et un gros fil juste avant, en fait. Hein. Bien sûr. Hein, c'est un genre de queue de rat, en fait. Voilà, c'est ça, c'est une queue de rat. Voilà. Et c'est vraiment adapté aux conditions de pêche, hein, ici notamment, ouais. Parce que c'est une plage qui a une pente, comme on le disait tout à l'heure, très importante. C'est donc il n'y a pas beaucoup de vagues. Voilà. Et donc ça me permet de faire ce montage-là. Sur une plage plate où il y a beaucoup de rouleaux, on ne pourrait pas faire ça. Non, ça, pas ça, du tout. Ça passerait pas. Pas du tout. Bah non, parce vraiment que ça va s'emmêler. Ouais. C'est vraiment un montage adapté à ce genre de situation. Donc là, on va hécher les hameçons, voilà. Avec les vertubes, et puis on va attaquer parce que là, il fait nuit dans une demi-heure à peu près, donc. Ça devrait pas tarder. Bah, je te laisse bouter, hein, Daniel. Alors c'est parti. Quand il a été bien passé d'un saumur, grattail des brelailles, femelle des rogailles, il est si bon qu'on s'infropétait ceinture, qu'on aime un jrodeau, dessus le tête d'un galéo. On s'en pour l'ex-saint-bec, du pauvre monter le bistec, Saint-Pierre au paradis, coquimage, mes amis. Eh Patrick, je crois que tu as une touche. Je viens de voir une petite tape là. Tu crois? Ouais, attends, on va regarder, on va attendre attends, un on va, peu. On va attendre attends. Voir si ça tape. Celle de droite ou celle de gauche? Celle de droite. Celle de droite. Ah, ouais, effectivement, ouais, c'est un retouche voilà. Un petit peu. Ouais, regarde, ça s'est détendu. C'est ça. Ah, c'est peut-être une seule ça. Bon, je pense que oui. Attends, on va voir. Allez, faut que tu nous en sortes une belle. Oh, c'est une belle, oui. Je crois que. T'en as une ? Je crois. Allez, elle est dessus, moi. Elle y est. D'accord. Bon, bah, excellent. Ah, il y a quelque chose, ouais. C'est quelque chose. Pas très gros, mais. C'est pas très gros, ça tient un petit peu, ouais. Ah, ben voilà. Ah, oui. C'est long. Oui. Exact. Excellent. Une seule. Ouais. Ah, ben voilà, une belle petite seule. Elle est maillée, hein, elle fait 24-25 cm, ouais. Elle a bien engamé l'hameçon, on le voit bien, donc là, elle ne peut pas se décrocher, hein, ce que je disais tout à l'heure, hein, avec les hameçons à petite ouverture, hein, elle engame, il n'y a pas de souci, on peut pas les rater. Donc là, elle a mordu sur le montage du haut, donc on s'aperçoit que si la canne est bien inclinée, les appâts sont vraiment sur le fond, hein, puisque la sole, elle ne décolle pas du fond pour prendre sa proie. Hein. Bon, bah là, on vient de la faire juste début descendant. Hein, Daniel, donc ce qu'on va faire, on va vite surcaler parce que là, il va y avoir un petit passage de sol. Il faut en profiter. On va pas perdre de temps parce que ça peut durer pas longtemps. Hein. Exactement, il faut en profiter. Allez, go. Hey, Patrick, je vais avoir une belle tape. Hein. Ah, ouais, celle de gauche. Ok, j'arrive. Je vais attendre un petit peu pour voir si elle va remettre un petit coup, mais elle n'est pas détendue. Ah, je vais lever quand même. Celle de droite? Celle de gauche, mais je vais lever quand même parce que des fois. Tu vois, les sols arrivent là. Ah, c'est le passage, là c'est l'heure. C'est hein. Le passage. Hein. Et plein mer, 20h. Ah ouais. Ouais, ça a l'air. Hein. C'est la canne avec ton traîneur là, non? Oui, d'accord. Ouais, le grand traîneur. Ouais, voilà, tu vois, il y en a une. Ah ouais, il y en a une ouais, carrément voilà. Sur le traîneur. C'est le grand traîneur derrière, c'est bien hein, quand même. Hein. Je suis assez content. Bon, c'est un petit peu emmêlé maintenant, mais bon, ouais, bon c'est tant pis. Hein. Elle est belle, hein? Elle est belle, elle est jolie. Ah ouais, superbe. Voilà. Toujours dans le même calibre à peu près, hein, tu vois, c'est. Tout le temps. C'est sympa, hein? Superbe. Ouais, elle est toute à peu près de la même dimension. Ouais, ouais. C'est bien, hein? Bon, bah allez, on va continuer, on va continuer. On va profiter. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Allez, attends, hop. Voilà. Bon, elle est détendue. Alors, à mon avis. T'as une tape là, Daniel? Ah, je viens d'avoir une tape là. Une jolie tape. À mon avis, c'est une jolie. Bon, bah, apparemment, il y a quelque chose. Ah, ça force. J'étais un petit peu plus loin quand même là. Là, je suis arrière dans la fosse. C'est un taco, hein? Il y a des tacos au loin. Comment? Il y a des tacos au loin. Non, pas des tacos. Non, c'est une seule, je te promets. Vu la tape, pas de taco.
te le souhaite. Ah oui, regarde bien. Ça va être belle. Ah. Ah ouais, t'étais beaucoup plus loin là. Ouais, bah oui, j'étais dans la fosse. Ce qui fait que... Ah, il y a un petit peu de salade, tu vois, en bordure, regarde. Ah ouais. Tu vois, c'est ce que t'as pris tout à l'heure. Ah, ça a pas l'air d'être vilain. Ah ouais. Voilà. Joli. Belle sol. Elle est belle. Belle. Prise en haut. Voilà. Sur le montage du haut. Elles sont vivaces. Elle est belle celle-là. Bébé. Voilà. Aussi, elle est jolie. Elle est prise juste sur le bord, par contre. Ah ouais. Voilà, l'hameçon. Elle est belle celle-là. Hein. Elle est belle, oui. Ouais. Trentaine de centimètres. Hein, ouais. Un peu plus même. C'est de la jolie sole. Jolie sole, belle portion. Bon, je vais. Tu vois, un petit peu plus loin, là, faut peut-être relancer un peu voilà, plus loin. Bah, de toute façon, je l'avais. Faut les chercher. Je l'avais dit en début. Les gros, ça sont un petit peu plus loin quand même. Ouais. Bien. Bon, allez. Ah là, c'est plus gros Patrick. Ouais, tu arrives. Ça a l'air d'être plus gros quand même. Ça tire? Bah oui. Ah ouais, ah ouais. Ah ben regarde, il y en a deux. Doublé, bien. Ah ben voilà. Ah, je vais doublé. Eh ben c'est pas beau ça. Ah ça c'est beau. Ah je suis trop content, franchement. Ça, c'est beau. Et deux portions, hein, les belles tailles. Hein. Belle sol. Ah je suis content, vraiment. Ah ouais, superbe. Bien engamé, c'est le duo aussi, non? Ah ouais, ouais, ah voilà. Ouais, bien regardé, pas de problème. Hein. Bon ben on va vite les décrocher pour continuer. Continuer. Elles sont là. Toi quand t'es un bon, hein, t'arrives à faire des doublés, y a pas ouais, de voilà. Soucis. Hein. Ça c'est sûr. Ça y est, impeccable. Ben là je suis un petit peu. Ouais, c'est belles, ouais hein. C'est portion. Ouais, ça tient un peu plus belle. Un petit peu plus belle, ouais. Une belle portion. Parfait. Tiens, je les fasse. Bah si tu veux, ouais. Tiens, vas-y. C'est pas toujours facile à tenir ça. Hein. Non. En distance, t'es assez loin là, non? Bah, j'étais un petit peu plus loin parce que au début, j'ai commencé au bord et puis en fin de compte, il n'y a pas beaucoup de tapes. Et plus je me suis éloigné, bah, je me suis aperçu qu'il y a un petit peu plus de sol. Enfin, je vais peut-être poser la canne avant là. Allez, c'est reparti. Allez, à fond. Et voilà. Excellent. Là, toi, il y a une belle touche, le fil est complètement détendu. Allez hop. Certainement une seule. Ah, c'est une, Patrick. Une écoute, là, il y a une belle touche avec un beau détendu derrière. Donc, ah oui bon, en principe, je dis bien en principe, hein, parce que. Tu la sens là, non? Ouais. Ah oui, regarde. Ah oui, y en a ah, regarde. Ah, la voici. Ah bah tu vois, regarde, t'es venu pêcher la sole, on a pris la sole. Hein. Voilà. Super, elle est pas vilaine hein? Bah non, elle est belle, tu m'étonnes. Ah, ça fait plaisir. Hein. Elle est jolie. C'est plaisir. Elle est longue. Hein? Bon bah écoute, tu vois Daniel, la plage des Saumonards a tenu toutes ses promesses. Hein. Bah pas de soucis. On est venu pêcher la sole, on a fait... Comme d'habitude. Seul. Celle-ci est bien maillée, une de plus. Bon bah écoute, moi je crois que là on a fait notre pêche. Hein. Oui, ça tu va vois, suffire. On a fait quoi? On a fait les deux petites heures de descendant. Ouais, donc en fait, c'est souvent ça, début descendant, voilà, pendant deux heures, tu peux faire ta pêche hein, bien assez sûr. Rapidement. De toute façon, après, c'est fini. Hein. Après, c'est fini, après, il faudrait attendre le début montant. Voilà. Enfin, bon. Après, c'est pas bien, toujours. Voilà, pas donc toujours bah, sur cette salle, hein, on va plier. Et puis, on va plier, on va rentrer à la maison. On verra ça la prochaine fois. D'accord bien sûr. Allez, parti.